a man. She'd rise among men. If a man come forth among men to be my friend, if a man should rise among men, a man pure enough to try me whole, a man crazy enough to understand all, if a man rise among men, a man of my race, a man not afraid to be my friend, if a man should rise among men, I would recognize him before toppling into night. If a man should rise among men, a man of my race, a man not afraid to be my friend, if a man should rise among men, I would recognize him before toppling into the night. Premier mai. Arthaud m'a écrit une longue lettre. Si je pouvais la publier, je serais sauvé. Mais je ne trouve pas d'argent pour descendre le voir à Rodez. Et Janine n'en a pas non plus. Mai. Il y a 4 ans que je lutte pour libérer mes forces. Je suis sûr qu'elles se déclencheront bientôt. Je viens d'apprendre qu'Arthaud sera dimanche à Paris. Regarde. Je dois voir Arthaud. Marc m'a dit qu'il serait là à 11h. Tu crois que tu oseras lui parler? Je verrai. Ça.
Antonin, puis-je vous présenter Jacques Prevel, qui vous a écrit, je crois. Je suis si heureux de vous rencontrer. J'ai reçu votre recueil de poèmes à Rodez. Je vous imaginais plus gros, monsieur Prevel, vous aviez un certain âge. C'est Jacques Prevel, monsieur Artaud. P-R-E-V-E-L. C'est très bon pour le cerveau. Merci. Savez-vous, monsieur Prevel, que des millions de gens m'envoûtent et cherchent à me nuire. Et qu'ils vous envoûtent aussi, monsieur Prevel. Je ne crois pas, je suis absolument inconnu. Moi, je suis sûr qu'on vous connaît. Certains milieux littéraires savent pertinemment que vous avez quelque chose à écrire. Ils veulent vous faire peur. Ils veulent décourager Jacques Prevel qui écrit quelque chose dont ils reconnaissent la valeur. Ils ne veulent pas que cela s'extériorise. Votre lettre sur mes poèmes m'a causé une grande joie, monsieur Artaud. Surtout gardez-la pour vous. J'ai publié mes lettres de Rodez. Je ne voudrais en aucune façon que celles-ci paraissent. Je n'aimerais pas davantage que cette lettre soit mise en circulation. Je vous le demande. T'as déçu? Non, c'est pas ça. Je vois bien que t'es déçu. Il ressemble à mon père à la fin de sa vie. Pour madame? Un bouillon. Pour monsieur? On partagera. Le jour aujourd'hui, c'est la langue sauce piquante. Non, merci. J'ai les pieds paquets aussi. Non, ce sera tout. Je ferai moi du bouillon pour deux. T'espérais trouver un ami? Je veux pas que j'utilise sa lettre. Tes poèmes n'ont pas besoin de préface. Ça m'aurait aidé. Peut-être que t'arriveras à le faire changer d'avis. Pas suffisamment lucide. Plutôt, il est dans un tel état d'extra-lucidité que ça le rend étranger. Tu veux dire étrange? Non, étranger. Il est dans un monde impénétrable.
J'espère que ça ne vous blessera pas, monsieur Prevel. Et vous m'avez dit au café que vous aimeriez me voir pour bavarder. J'ai pensé que c'était une erreur d'expression. Il n'y a que les concierges qui bavardent. Moi-même, je vous ai dit que j'étais enchanté en vous rencontrant. Il ne s'agissait pas de cela. Je n'ai pu obtenir que ça. Monsieur Prevel, il faut que je vous confie un secret. Ne le dites à personne. Il faut que toute la quantité d'opium qui se trouve à Paris soit disponible pour que Antonin Artaud puisse faire son œuvre. Alors, monsieur Prevel, je retrouverai mes forces et je pourrai vous aider. Voulez-vous penser fortement à cette chose pour qu'elle se réalise? J'ai déjà formulé ce vœu, monsieur Artaud. Alors, vous devez beaucoup souffrir. Quand on désire une chose pendant des années avec fureur, faut être sûr qu'elle se réalisera un jour. Je mettrai cette phrase dans mon prochain livre. Je dirai qu'elle est de vous. Je veux que justice vous soit rendue. Soyez aux Zéphyrs vendredi à 6h. Je me souviens pas de la moitié de ce que m'a dit Artaud. Tout me semble perdu. Tu devrais prendre des notes. Tu peux pas t'imaginer comme il est. Va t'asseoir, ça va être prêt. Il m'a donné des photos, il voulait s'en débarrasser. Qu'est-ce que t'en penses? Ton visage est creusé jusqu'à l'os. Il a l'air bien malade, cet homme. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'est pas malade. Si, ça crève les yeux. Il n'y a pas de fromage? Je ne savais pas que tu viendrais. 5 juin. La maladie me mine depuis de longues semaines. Et surtout le sentiment d'être rejeté. N'est-ce pas cela qui est insupportable? Être rejeté. Le sentiment atroce qu'on ne pourra jamais se faire accepter. En rencontrant Antonin Artaud, j'ai rencontré le seul homme que j'attendais. Ne pas oublier de lui dire, il y a près de moi 2 êtres qui ont beaucoup souffert. Je voudrais que vous les aimiez.
Nous parlions de votre femme. Que disiez-vous au sujet de ma femme? Nous disions qu'elle ressemblait à un personnage de Edgar Poe. J'ai vendu tes poèmes rue des Saints-Pères. J'ai laissé deux plaquettes en dépôt au libraire de l'Odéon. Il m'a dit qu'il fallait que je puisse écrire et que les revues me soient ouvertes. Pardon. Excusez-moi. Pourriez-vous m'avancer le prix du billet? Je suis un peu juste. Tenez, prenez le mien. Je fais partie du comité, je rentrerai comme ça. Merci. Allez-y, sinon vous serez au fond. Allez-y. J'aurais pas une cigarette. Merci. Savez-vous que Colette est très malade? Non. Elle n'est pas malade parce qu'elle est malade. Elle est malade pour tout le mal qu'on lui a fait. Elle a été violée. Violée? Elle était très fatiguée quand elle a rencontré un homme qui lui a proposé de venir se reposer chez lui. Là, il s'est jeté sur elle et lui a fait une blessure au ventre. Et quand elle s'est réveillée, le lendemain, il y avait du sang jusque sur les coussins. Et je le retrouve. Je lui trancherai la gorge à cet individu. Plus fort, plus haut. Il était un roi de Tulé. Plus haut.
rabaissez, vous rabaissez plus fort. Il était un roi de Thulé, à qui son amant était fidèle. Non. Il était un roi de Thulé. Il était un roi de Thulé. Il était un roi de Thulé, à qui son amant était fidèle. Les gars comme souvenir d'elle. Plus haut, plus fort. Les gars comme souvenir d'elle. Plus fort. Il est... Allez, 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 Colette. Il était un roi de Thulé, à qui son amant était fidèle. Les gars comme souvenir d'elle. Rendez-le, rendez-le. Les gars comme souvenir d'elle. D'elle. Les gars comme souvenir d'elle. Faites trisser le son. Il faut faire vivre le son jusqu'à ce que la fibre de vie grince. La boule à cri. Il était un roi de... Recommencez. Recommencez. Il était un roi de Thulé, à qui son amant est fidèle. À qui son amant est fidèle. Les gars comme souvenir d'elle. Une coupe d'or ciselée. C'était un trésor rempli plein de... Recommencez. Il était un roi de Thulé. Recommencez. Il était un roi de Thulé. À qui... Allons, Colette, allons. À qui son amant fidèle. Les gars... Fidèle. À qui son amant fidèle. Il s'agit d'ouvrir la bouche de telle sorte que le son qui se trouvait sous le coccyx sache gagner les étages supérieurs de l'alouette, Colette. Il était un roi de Thulé. À qui son amant est fidèle. Les gars comme souvenir d'elle. Une coupe d'or ciselée. Non, pas en avant, mais en arrière de l'alouette. Il était un roi de Thulé. À qui son amant est fidèle. Les gars comme souvenir d'elle. Une coupe d'or ciselée. Travaillez, Colette, ne faites pas semblant. Travaillez. Il était un roi de Thulé. À qui son amant est fidèle. Les gars comme souvenir d'elle. Une coupe d'or ciselée. La seconde. C'était un trésor plein de charme. Ensemble. Il était un roi de Thulé. La seconde. C'était un trésor plein de charme. Non, ensemble. Il était un roi de Thulé. Ensemble. Ensemble. La seconde. C'était un trésor plein c'était de charme. C'était ensemble. C'était un trésor. Attendez-moi. C'était un trésor plein de charme. Où son amour se conservait. À chaque fois qu'il y buvait, ses yeux se remplissaient de larmes. Plus haut. C'était un trésor plein de charme. Où son amour se conservait. À chaque fois qu'il y buvait, ses yeux se remplissaient de larmes. C'était un trésor plein de charme. Où son amour se conservait. Plus fort, Colette, plus fort, plus haut. Faut cogner, cogner. C'était un trésor plein de charme. Où son amour se confondait. À chaque fois qu'il y buvait, ses yeux se remplissaient de larmes. Continuez. Voyant ses derniers jours venir, il divisa son héritage, mais il accepta du partage la coupe, son cher souvenir. Nous n'avons pas conscience de ce que vous devez faire. Continuez. Voyant ses derniers jours venir, il divisa son héritage, mais il accepta du partage la coupe, son cher souvenir. Voyant ses derniers jours venir, il divisa son héritage. Mais il accepta du partage la coupe, son cher souvenir. Oui, dernier jour venir. Vous devez trouver pour comprendre. Comment métalliser les mots comme le boum d'une bombe ou le plop d'un coup de fusil du cœur excédé qui fait tout passer. Ah, monsieur Prevel,
J'allais sortir. Vos poèmes ont eu un succès extraordinaire. On le prétend, oui. Malgré tout, j'ai été déçu. J'ai bien senti que chacun avait quelque chose à se reprocher. J'ai du chloral. Pourquoi n'êtes-vous pas venu à ma table hier soir? Je n'ai pas osé. 4 cuillères, il faut pas que ma provision s'épuise. Quelle heure est-il? Plus de midi. Mon mari va me faire une scène. Votre mari, c'est quand même pas Barbe Bleue. Quand reviendrez-vous? J'en peux plus. Vous savez, Colette, que vous devez continuer de travailler avec moi. Revenez, Jude. Oui, Antonin Artaud. Regardez cette femme. Elle attend ici chaque jour sans faire un seul mouvement. Ici, vous restiez déjeuner avec moi, Colette. Monsieur Prevel irait nous chercher du jambon. Vous aimez le jambon, moi, Colette? Oui, Antonin Artaud. À la bonne heure. Quand on mange, ça donne envie de vivre. Thank you.
Je vois le drame du mâle et de la femelle. Il n'est pas vrai, comme le prétendent la science et la légende, que la Terre fut créée, que des millions d'années existèrent et que l'on soit venu un jour. Il y a un parallélisme entre les deux. Le monde, en ébullition, est en faire perpétuelle guerre, sempiternelle, jamais achevée, pour vivre dans cet état de jeunesse, tant des hommes, tous guerriers et héros. Un jour, ces êtres immenses qui étaient tous des femmes, comme ils dansaient des âmes, ont eu envie de créer, non pas leur œuvre, mais les miennes. Et ces êtres se sont effondrés. Et de cet amour, il est resté une jalousie dans le chaos. Et dans cette jalousie, les uns ont consenti à rester femelles et les autres ont prétendu être mâles, les uns avec remords, les autres sans remords. Pourtant, Jacques Prevel était parmi ceux qui un jour se virent mâles, mais avec un certain remords. J'ai plus que ça alors qu'il est du mâle et de la femelle. Je me vois comme un vieux tronc d'arbre. Je vois une forêt. Et dans cette forêt, je vois passer bien des consciences, et parmi ces consciences, j'en vois d'épouvantablement hostiles et ennemis, et d'autres qui, comme Jacques Prevel, me témoignent d'une amitié qui me semble venir d'épouvantablement loin. La musique de vos poèmes est au fond. Je veux dire que votre poésie est sous la terre de plusieurs catastrophes entassées. Et qu'après avoir tant souffert et senti l'infini d'effroi se déchirer votre visage, votre cœur est sur le point de sauter devant le dernier, toujours le dernier, toujours. Si ironiquement et dérisoirement, le dernier supplice qui vous avait préparé encore souffrir. Alors que je ne me sens né que de cela, c'est ce que toute la conscience profère. Or, qui le profère le plus fort sont ceux qui ne souffrirent pas même. Pas même cet art que poursuit sans cesse l'existence de Jacques Prevel. C'est seul avec lui. T'en fais pas. Jacques, je t'en prie. Tu t'inquiètes toujours. Couche-toi donc. Il se réveillera pas. Mais demain, j'ai classe à 8h, moi. Je serai là. Thank you.
Monsieur Prevel n'est pas là? Il est... Il va revenir. Vous êtes malade? Qu'est-ce que vous faites coucher là? Il est très tôt, monsieur Artaud. Et puis je suis enceinte. Surtout ne faites pas d'enfants, madame Prevel. Chaque fois qu'un enfant naît, ça m'enlève le sang du cœur. À 6 heures. Pourquoi? Je croyais que j'étais au lit pour l'attendre. Il reste du café? Il a laissé un mot. Vous voulez du lodanum? On avait l'air satanique. Il a laissé de l'argent? Non, pourquoi? Il faut que j'y aille. Et ton café? J'en ai marre de ton Artomar, tu comprends, marre? Ça m'embête. Heureusement, je vois Arthur. Moi aussi, des choses à voir avec lui, et puis on peut pas s'amener en bande comme ça. Il faut que je vous engueule. Regardez Colette, elle est désespérée. Elle a dit, je sais qu'il donne de la drogue à Arthur. Tenez-vous à Caro, Prevel. Monsieur Prevel, ce qui se passe dans le subconscient de Colette, vous l'imaginez pas. Est-ce que vous comprenez pourquoi elle se trouve toujours mal quand je lui demande de travailler? Pourquoi elle refuse de répéter avec moi? Non, je ne comprends pas. Moi, je vais vous dire. Colette est jalouse de ce que j'ai écrit. Elle croit que c'est elle qui a écrit, pensé mes poèmes et que je les lui ai volés. Pas le croire. Vendredi dernier, elle est venue pour répéter. J'étais allongé sur mon lit, très fatigué. Je lui ai lu le texte avec les intonations. Elle m'a dit, c'est ainsi que je l'aurais lu. Vous trouvez ça normal? Non. Je crois qu'elle voudrait que je fasse un enfant. Arthur, je suis sûr qu'on essaiera de venir auprès de vous. Je vous demande même pas de tenir compte de tout ce qu'on pourrait vous dire. Vous êtes un ami. Demandez-moi de l'argent, si vous voulez. Il n'y a pas de raison pour que je n'aie pas un ami. Une seconde, monsieur Prevel. Vous pouvez rentrer, monsieur Prevel. Je vous remercie, monsieur le professeur. Ne me remerciez pas, monsieur Artaud. On est un service inouï, vraiment inouï.
La plupart des hommes ont un organisme qui déborde d'opium. Moi, je vous suis absolument privé. Vous vivez une aventure nervalienne. Es va ein König in Thule, gar treu bis an das Grab. Chaque fois qu'un homme et une femme font l'acte sexuel, je le sens. Il enlève quelque chose à moi, un tonnard tout. Il n'y a plus rien de pur dans la sexualité, c'est devenu une chose sale. Comme pendant certaines époques, la fonction de manger. C'est ainsi qu'on finit Sodome et Gomorre. Ne faites pas l'acte sexuel, monsieur Prevel. C'est une chose qu'il faut absolument éviter. Sans quoi l'esprit est menacé. Un jour, voyez-vous, cet acte ne sera plus désiré, ni même nécessaire. Il n'existera plus. Le jour est proche. C'est prendre de la drogue qui vous fait penser ça. Justement, pour me débarrasser de l'obsession sexuelle, que je prends des drogues. Peut-être que vous n'avez jamais rencontré l'amour. Je ne crois pas, monsieur Prevel. Moi, je demande à un être qui m'aimerait vraiment de renoncer à toute sexualité. L'amour n'a rien à voir avec le marivaudage sexuel. On ne pouvait pas concevoir qu'un homme et une femme qui s'aiment vraiment ne s'appartiennent pas. Il n'y a que l'androgyne qui pourrait donner une idée de ce que devrait être la projection de l'amour. Le reste n'est que dilapidation des forces. C'est une reprise de force, au contraire. Depuis 15 jours. Il était parti se reposer dans le midi. Il y a presque 2 heures que je l'attends. Il ne m'aura pas trouvé ou il m'aura oublié, je ne sais. Vous n'avez pas vu Colette ? Il vient juste d'arriver. Et Marthe ? Non, personne. Aucune femme ne m'aime. Elle diffuse tout un venin mortel. Oh, alors que là, il ne fait rien. L'opium est empoisonné, il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus que de la crasse. Un ami me charge de vous demander si vous accepteriez de lire un texte inédit à la radio. Est-ce que je pourrais dire tout ce que je veux dire? Il m'a assuré que rien ne vous serait retranché. Est-ce que je pourrais dire des choses comme... J'aime le goût des baisers dans les baisers. J'aime le goût du cul dans le cul. J'aime le goût du sexe dans le sexe. La ruche. La roche. Ça y est. Ça gère. Fêche-toi, mon petit. Ta mère te paie pas des leçons pour que tu viennes bailler aux corneilles. La hache. La tâche. Je n'écrirai plus. Je ne veux plus écrire. Pouvez-vous me prêter votre cahier, mon enfant? Merci. Pourquoi avez-vous besoin d'un cahier si vous ne voulez plus écrire? Pour faire des bâtons. Ce qui retentira, ce qui restera de notre amour désarmé, je voudrais à peine l'imaginer et que ma vie s'éclaire. J'écris comme un homme dont le rêve, peut-être, fut tout aussi réel que ton visage. Tu es né dans une ville aussi vaste et noire que mon être. Petite fille dont la fragilité me confond. Et tu as vécu ton enfance au bord de la mer des brouillards, un vertigineux soleil. Fut que mes pas dans tes pas, j'ai remonté ta vie frémissante pour te la rendre frémissante.
Benoît, t'as plus rien? Merde, qu'est-ce qu'on va faire? Tu peux pas demander à ta mère? Pourquoi tu demandes pas à Rolande? Ça me gêne. Ça te gêne pas toujours? Tu vas pas recommencer. Jenny. Allô, maman? C'est moi, ça va? Je suis désolée de te demander ça encore une fois, mais est-ce que tu pourrais nous dépanner? Il y a plusieurs mois, Carto est à Paris. Je suis seul. Toujours seul. Ce journal, je l'écris pour me justifier. Pour retrouver les états que j'ai vécus. Je l'écris pour les hommes qui vivront quand je serai mort. Mais je n'accorde à ce journal que l'importance de la vie. Je dois disparaître. Il doit rester la vie. J'allais partir. Vous l'attendez pas? Non, il faut que je... Vous devriez vous soigner. Vous étiez avec Arto? Oui, je l'ai laissé avec le docteur Delmas. Il va pas tarder. Il m'a parlé de vos poèmes. Asseyez-vous. Vous savez qu'il m'a demandé quel sentiment j'éprouvais pour lui? Vous vous rendez compte? J'étais terriblement embarrassée. Que vous a-t-il dit de mes poèmes? Il m'a dit que vous lui avez fait lire des choses très belles. Vous vous souvenez autrefois quand vous demandiez de l'argent aux passants dans la rue? Presque toujours, il vous en donnait. Et après, il courait au commissariat. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai été arrêté et enfermé pendant 9 ans. Avec des bergers fous. Les goitreux des montagnes. Méfiez-vous, il y a des indiques partout. Antonin, vous dites des conneries. Cette femme est extraordinaire. La breloque interne était que le partant qui est toujours là ne peut bien se supporter que parce que l'immobile
le porte en fondant toujours le portant qui est de toujours qui l'emporte depuis toujours. Alors, mon enfant, qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme si j'avais reçu un coup de marteau sur la tête. C'est ça. C'est exactement ça. Monsieur Prevel, il se passe des choses effroyables. Vous savez que Marthe et Colette étaient les deux êtres que j'aimais le plus. Plus les voir, plus y penser. Vous savez ce qui s'est passé chez Arthur? Comment voulez-vous que je sache? Arthur avait rapporté du laudanum de Dieppe. Il y a eu une séance de masturbation. Je savais qu'Arthur était erotomane, mais j'aurais jamais pensé que Marthe était son instrument. J'aimerais savoir ce que vous pensez de Marthe. J'aimerais savoir quel sentiment il y a entre Marthe et Arthur. C'est très grave, monsieur Prevel. Prevel, peut-être que je suis en proie au délire. Non, je ne délire pas. Une armée d'hommes se masturbe sur moi pour m'envoûter. 50 grammes de laudanum par jour, qu'il faudrait un litre. Ça pourrait vous faire du mal. En faire du mal à un mort. Ouais, monsieur Prevel, je suis mort. Depuis longtemps. Je me survis, mais je suis mort. J'ai un rêve chez vous, l'autre nuit. Je me trouvais dans une prison. Et au moment où je me suis réveillé, on me tendait une feuille de papier. Où je pouvais lire qu'on plaint d'Antonin Artaud qui fut assassiné dans ce monde et qui ne pourra renaître dans l'autre. Monsieur Artaud, puis-je vous présenter Jeannie? Hein? Qui ça? Jeannie. Je vais rentrer. Gardez mes yeux. C'est affreusement mal. Il est là. Qui ça? Ben, monsieur Prevel, sa dame est en train d'accoucher. Oh, zut. Ça. Non, merci. Vous allez manger ça? Non, merci, monsieur Artaud. Je n'en veux pas. Quand on a des bras maigres comme les vôtres, on ne refuse pas la nourriture. Je n'ai pas faim. Mais qu'est-ce que c'est que cette satnitouche? Jeannie n'est pas une satnitouche. Elle a beaucoup souffert. Je vous interdis de lui parler comme ça. Je vais vous faire une tête armée. Vous connaissez le vers de Nerval? Napoléon mourant vit une tête armée.
Oui. Comme ça. Avec ce regard agrandi qui se demande. Qu'est-ce que c'est ? Si vous l'aimerez. À un moment, il est devenu quelque chose d'admirable. Je l'ai abîmé. Venez, c'est pour vous. C'est 100 000 francs. Jenny à 7 heures pour rejoindre Artaud. Éternelle question du Laudanum. Je promets de lui emporter demain et j'accepte 100 francs. Comment faire autrement? J'en peux plus. À la fin, tu comprends, j'en peux plus. Tu arrives, tu manges, tu couches, tu pars, mais tu te crois où? Tu te crois à l'hôtel? Mais va lui demander à cette fille de s'occuper de ton âge, va lui demander de te faire à manger, va! Hein, tu ne réponds rien, hein? Monsieur est trop occupé à écrire. Jacques, tu m'écoutes? Est-ce que tu écoutes ce que je te dis? Est-ce que tu m'écoutes? Ça va pas, non? Elle t'oublie! Elle est complètement hystérique! C'est horrible avec Roland, dont la jalousie me rend fou furieux. Je suis à bout de nerfs. Je me jette sur elle d'un coup. Elle se débat, me frappe sur la bouche. Artaud arrive peu de temps après. Je ne sais pas s'il a entendu. Ce que j'ai à vous dire est extrêmement grave, monsieur Prevel. Après cela, peut-être cesserez-vous de venir me voir. On m'a dit que votre femme souffrait épouvantablement à cause de cette fille. Je ne comprends pas. Cette fille vous est occultement néfaste. Je suis très surpris de ce que vous dites. Je veux dire que vous n'êtes plus le même. Cette fille vous fait du mal. Je ne vous permets pas, c'est une enfant. Il n'y a pas d'enfant, monsieur Prevel. Jenny est sans défense. Sa vie ne sert à rien. Il y aurait 700 ou 800 millions d'êtres humains à anéantir. Qu'est-ce que ça ferait sur les 3 ou 4 milliards qui vivent sur Terre? C'est tous les autres qui n'ont rien à faire dans la vie. Pas Jenny. Elle et les autres. Elle vous aime beaucoup. Moi, je suis sûr qu'elle ne m'aime pas. Du tout. D'ailleurs, je ne supporte plus personne. Je vais prendre un couteau et un marteau, je vais cogner sans n'importe qui. Je veux seulement de l'opium et de la boostifaille. Est-ce qu'ils ont tous à se déchirer comme des loups? Et qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces gens? Voilà. Merci, monsieur Marcel. À lundi. Oh. Au revoir, monsieur Artaud. Pourriez-vous aller m'acheter des frites au pont de Charenton? Je ne peux pas, je dois rentrer à Paris. Si vous devez rentrer à Paris, alors... J'ai lu vos poèmes, monsieur Prevel. Vous avez fait un pas de géant. Je vois que vous êtes de plus en plus exaspéré. À chaque fois que je lis quelque chose de vous, je suis frappé de voir à quel point vous souffrez du même mal que moi. Mais il y a encore quelque chose qu'il faut faire sauter.
un conformisme social. En somme, mes derniers poèmes vous ont encore déçu. Non, je peux pas dire ça. Vous n'êtes pas encore assez révolté. Monsieur Prevel, faut absolument que vous deveniez un grand poète. Je vais vous enseigner les points sensibles du corps qu'il faut toucher pour que cela vous aide. Vous aussi, vous êtes très malade, monsieur Prevel. Très malade. Je me demande comment vous pouvez être dans cet état. J'attends Artaud depuis midi. J'écris d'un trait. Si l'on n'a pas connu ma voix déjà, c'est que tout s'est perdu avant de se refaire. C'est que tout est patience aussi. C'est quoi de déchirant dans mon poème ? Quelque chose qui me semble grand. Il y a aussi, me semble, je ne sais quelle indolence, quelle paresse. Une paresse ? Oui, une paresse. Qui les empêche de prendre toute leur grandeur. Quelle heure est-il, monsieur Prevel ? Bientôt 3 heures. Vous ne devriez pas prendre de dose aussi massive.
Amra Thiboaz. Il y a dans vos poèmes certaines idées très fermées qui s'opposent à ce qu'ils soient publiés. Je comptais sur vous pour m'aider. Moi, je veux bien vous aider. C'est vrai que vos poèmes ne sont pas au point. Pourtant, celui que je vous ai lu l'autre soir chez Marthe, vous l'avez aimé sans réserve. J'ai jamais dit que je l'avais aimé. J'ai dit que j'avais été ému par ce texte. Voyez-vous, monsieur Prevel. C'est une question de mots. Il faut trouver les mots nécessaires. Moi-même, il m'arrive très souvent de jeter au feu tout ce que j'écris. Il faudrait prendre complètement conscience. Il faudrait que Jacques Prevel prenne entièrement conscience de ce qu'il a sur la gorge et qu'il étouffe. Ce n'est pas sérieux, monsieur Prevel. Je vous avais demandé du lot d'un homme. Pourquoi n'en avez-vous pas trouvé? Vous ne sortirez pas vivant de cette pièce si vous ne me répondez pas. On n'en trouve plus. Je n'ai pas cherché. Allez-y vous-même. Je vous demande mon conseil. Vous croyez que c'est facile? Je vous avais donné 200 francs. Vous pouvez les garder. Je vous emmerde. Je vous emmerde. De faire quelque chose de très bien, monsieur Prevel. Si nous avions été sur scène, nous aurions eu un énorme succès. Vous n'avez pas fait peur, au moins. Tandis que je cours essayer d'obtenir du laudanum, Artaud écrit. La maladie est un état. La santé n'en est qu'un autre, plus moche. Je veux dire plus lâche et plus mesquin. Pas de malade qui n'ait grandi. Pas de bien portant qui n'ait un jour trahi pour n'avoir pas voulu être malade. Comme tel médecin que j'ai subi. J'ai été malade toute ma vie. Et je ne demande qu'à continuer.
car les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de « la bonne santé suffit ». Car mon être est beau mais affreux. Et il n'est beau que parce qu'il est affreux. Docteur Petit était absent. Et où est-ce que c'est ça, monsieur Prevel? De l'élixir parégorique. Voilà comment je vis. Jour après jour avec 100 grammes d'élixir parégorique. Je n'ai rien. Et je tiens. Je travaille. Je suis en enfer. De la cocaïne. Je prends pour une. Et acheter pour vous. Peut-être qu'Arthur pourrait faire quelque chose. Ne parlez pas d'Arthur. Depuis que j'ai vu Claire dans ses mœurs, je ne veux plus entendre parler de lui. Non plus, il ne rend jamais les livres qu'on lui prête. Qu'est-ce que c'est qu'une mouche? Je pense que c'est une espèce de vampire qui nous suce le sang. Ah, on ne savait pas ce que c'est. Une mouche, c'est la mauvaise pensée instantanée de quelqu'un qui est loin de vous, qui vous veut du mal. C'est le déclic instantané de la mauvaise pensée d'autrui. Que je tue quelqu'un. Après, le vieil Artaud est enterré dans le trou de la cheminée qu'il tient de sa gencive froide. De ce jour, il fut tué. Et après... Vous n'allez pas vous dire un peu, espèce de sauvage? C'est vous qui allez vous taire! Si vous m'empêchez de dire du Antonin Artaud, je vous transforme immédiatement en serpent à tête plate! Ça sent bon. Vous ne pouvez pas savoir ce que je souffre, Madame Prevel. Je ne peux m'exprimer que par le sarcasme. Autrement, je ne trouve que le chaos. Qui a velouté ce potage. Mais Monsieur Artaud, et les forces du bien? Madame Prevel, il n'y a que les forces du mal. Et même quand quelqu'un pense quelque chose de bien, du seul fait de déterminer ce bien par sa volonté, il enlève le libre arbitre aux autres, ce qui prouve qu'il fait partie du mal. Nous partons dans la nuit. Il me demande de lui procurer du laudanum pour la fin de la semaine. Et après un long silence, Monsieur Prevel, évitez de faire souffrir. Sûr qu'on a volé mes clés
pris mon crayon. C'est pas possible de perdre deux objets comme ça dans la même journée. Vous ne pouvez pas sonner? Mais qui voulez-vous qui m'entende? Ils dorment, tous ces couillons. Allons faire le tour. Monsieur Prevel, vous allez me faire la courte échelle. Absolument, je rentre chez moi. Vos papiers? On m'a volé mes clés. Mon crayon aussi est... On va lui faire la courte échelle. C'est bien la première fois que je vois un client sur le mur pour rentrer chez les fous. Enfin... Ne vous inquiétez pas, petit père. On va vous donner un coup de main. Vous, tenez ça. Allez. Bonsoir, monsieur. Autrefois, j'ai été crucifié. Dans cette vie, j'ai été emprisonné dans un asile. Toi et au pape, je dois me venger terriblement. Je me souviens qu'il me flagellait. Aucun peintre n'a réussi à imaginer ce que ce fut. Pas même Cranach. Il y avait un escabeau, je m'en souviens. Et je me souviens qu'ils me clouèrent sur la croix. Le sentiment le plus horrible qui me traversa alors, c'est en pensant au moment où cette croix serait dressée. Je n'étais attaché que par les mains. J'imaginais le moment où mes mains se déchireraient. Je ne pensais qu'à ça. Quand ils dressèrent la croix, je poussais un cri terrible. Mais en même temps que ce cri, je ne ressentis plus rien. Toute douleur avait disparu. Je restais longtemps suspendu ainsi, et je me souviens que je demandais à boire. Un soldat me tendit une espèce de calebasse. Puis un autre s'avança et me lança un coup de lance au bas des côtes. Je mourus. Quand on meurt, il n'y a rien de changé, on voit tout comme avant. On est au-delà. On ne coïncide plus avec son corps, et cela vous est parfaitement égal. Je me souviens que je voyais le paysage de Judée comme il était. Mais en même temps, je voyais très loin de l'autre côté de la terre. Si je voulais, je voyais le ciel, les astres, les étoiles. J'avais le sentiment qu'ils passaient sous mon bras. Puis ils me descendirent de croix et me jetèrent sur un tas de fumier. Ça m'était parfaitement égal. Une femme qui avait envie de pisser vint pisser sur moi. Je pensais que je n'étais pas assez mort pour réintégrer mon corps. Finalement, je mourus, tout à fait.
Madame Reine, réveillez-vous. Mon mari est au plus mal. Occupez-vous du petit. Je ne sais pas à quelle heure je pourrai revenir. J'ai beaucoup pensé à vos poèmes depuis 3 jours. Ça m'a beaucoup inquiété. Je crois que je me suis mal exprimé au sujet de vos textes. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai le sentiment d'une grande injustice à votre sujet. Je suis foutu. Complètement foutu. J'ai mal dans mon corps à tous les points qui servent aux autres à jouir. C'est ça qui est révoltant. Il y a un homme qui aurait besoin d'un corps qu'il n'a pas. Quand il y a tous ceux-là qui font rien. Tous ceux qui avaient quelque chose dans le ventre ont vécu en supplicié, ont été suicidés. Je ne veux pas vivre une minute de plus. Depuis que je suis à Paris, je n'ai vu qu'un homme vivant et déchiré. Vous. Jacques Prevel. Voilà. C'est tout. J'ai connu Antonin Artaud. C'est le seul homme que j'ai aimé. Personne ne pourra jamais s'imaginer qui il était. Tout ce qu'on écrira sur lui sera toujours en dessous de la vérité. Il faut l'avoir connu. Je ne suis pas sûr que le monde ne soit pas bouleversé par sa mort. Aujourd'hui, le 4 mars...
if a man should rise among men, if a man come forth among men to be my friend, if a man should rise among men, a man pure enough to try me whole, a man crazy enough to understand all, if a man rise among men, a man of my race, a man not afraid.